Bonsoir à tous nos amis d'Europe. Et un bonsoir tout spécial, eh bien disons-le, au public de Vichy, aux téléspectateurs suisses, belges et français qui nous font l'amitié d'être avec nous. Et cette quatrième rencontre de Jeux sans frontières se déroule, si vous ne l'avez pas deviné, je vous le confirme, effectivement à Vichy. Oui, nous sommes sur le bord du lac d'Allier, qui est long de 3 km 500, dont les Vichysois sont très fiers à juste titre, et qui est le plan d'eau idéal pour toutes les compétitions nationales et internationales de sport nautique. Alors, malgré sa nuit italienne, on a emprunté cette nuit merveilleuse à l'Italie, Vichy ne se présente pas aux téléspectateurs français, mais néanmoins, afin de laisser à nos confrères et amis étrangers qui sont dans leur petite cabine là-haut, vers lesquels nous allons donner un petit coup d'œil amical, le temps d'en dire quelques mots, et bien maintenant, nous allons faire rentrer à nos côtés alors nos inséparables amis depuis 6 ans, ceux sans lesquels il n'y aurait sûrement pas de Jeux sans frontières. Guido Pancalmi. Bonsoir Simon. J'aurais préféré être de l'autre côté, moi. Alors voilà, Gennaro Olivieri, qui est vraiment maintenant la coqueluche de quelques 100 millions de personnes, n'est jamais content. Je ne sais pas comment je dois prendre ça. Eh bien, puisque nous sommes en force maintenant tous les quatre, et alors tout à fait décontractés, je dois vous dire qu'on a spécialement ce soir mêlé les équipes pour qu'elles se lèvent toutes ensemble, qu'elles ne soient pas, comme d'habitude, vous savez, en ordre et en paquet. Alors voici, venant de 7 nations différentes, les délégations de 7 jeunes équipes sportives d'étudiants qui nous viennent de 7 villes, dont voici les noms. Eh bien oui, la première de ces 7 nations, c'est la Hollande, Zoetermeer. La deuxième, qui nous vient d'Italie, Forio d'Ischia. La troisième qui nous vient de Belgique, Tournai. La quatrième qui nous revient de la Grande-Bretagne, c'est la ville écossaise de Prestwick. L'Allemagne, c'est Bockum Oval. La sixième nous vient de Suisse avec Brigg. Et la septième. Alors on va dire tous ensemble, et la septième, on est chez nous pour l'instant. Vichy. Bon, eh bien, Gennaro, je te confie la moitié de Simone et Guido l'autre moitié. J'en profite pour vous rappeler que cette quatrième émission nous permet en effet d'être à Vichy et de voir si cette sympathique équipe française va faire mieux qu'Alès qui n'avait fait que 20 points, Mulhouse 30 points, Le Mans 36 points. Donc pour Vichy, essayer d'être mieux que 3e qui était la place du Mans la mieux classée, d'être peut-être 2e et de faire peut-être 37 points, eh bien c'est tout le mal que nous souhaitons à cette sympathique équipe de Vichy, alors que le premier jeu vous est déjà présenté par Simone Garnier. Oui, eh bien c'est le livre de la jungle que nous allons feuilleter ensemble. Alors les héros, Mowgli, le petit garçon sauvage, follement agile, et son ami Balou, l'ours, qui est débordant de maladresse. Le mécanisme du jeu, vous allez le comprendre sur les images, il y a à l'usage de ces deux amis qui font partie de la même équipe naturellement, une passerelle de 50 mètres. Vous allez tout comprendre immédiatement dès le début du jeu. Attention Guido, c'est l'Allemagne qui est au début, c'est donc Bockum Oval. Attention Mowgli. Attention, 3, 2, 1. Eh bien Mowgli maintenant... maintenant, en 25 secondes, va essayer de rejoindre Balou. Mais vous voyez que cette passerelle est actionnée. Elle est accrochée au-dessus de l'eau par une série de 6 grues de manutention hydraulique à flèche treillis. Et ces grues sont manœuvrées par des adversaires de nationalités différentes. C'est ainsi que Mowgli n'arrivera jamais... Ah oui, il me semble que ce malheureux Mowgli, en ce moment, qui est suspendu, c'est pire que les lianes de la jungle. Hein. Il faut dire que c'est un peu exceptionnel. Regardez, quelle altitude! Alors je crois que dans tout ce désordre, on a déjà donné au bout des 25 secondes le départ à Balou. Tant pis pour Mowgli, on l'abandonne à son triste sort. Mais Balou, eh bien l'ours est en train, en ce moment, de regagner du terrain. Est-ce qu'il y arrive? Est-ce qu'il y arrive? Ah mon Dieu! Il a quand même parcouru une certaine distance. On va savoir combien de mètres. Un bon bain. Guido, très vite maintenant, va nous donner le résultat. Un peu de course à pied. Alors, combien de mètres à l'intention des Allemands? Alors, pour l'Allemagne, on a un total 40 mètres. Alors, c'est 40 mètres pour Bockum Oval. Alors, maintenant, c'est la France, donc les Vichysois qui prennent le départ. On attend que Balou soit bien au centre de la passerelle. Maître Balou, allez-y. Pour l'instant, vous voyez, la passerelle traîne dans l'eau. Il faut reconnaître que les grutiers de ces PPM ne font pas de cadeaux en ce moment aux concurrents. Attention pour les Vichysois. Attention, 3, 2, 1. Eh bien, Mowgli en 25 secondes.
Ah, me semble-t-il, prend un meilleur départ que tout à l'heure. Il a déjà franchi les deux tiers de sa passerelle. Arrive-t-il? Oui, il va y arriver. Il va y arriver. Oh, regardez, il se cramponne en ce moment. Il y arrive sur les genoux, le pauvre malheureux. Il se hisse, mais ça y est, le relais est passé. Les 20, avant que les 25 secondes soient écoulées. Donc Vichy, là, c'est très bien. Faut dire que... Alors, l'ours français. L'ours français en ce moment. Eh bien, l'ours français... Il a l'air de terminer son parcours. Mais oui, ça y est, il arrive au bout. Il arrive au bout. Maximum, hein. Alors, vous entendez en ce moment, bien sûr, la satisfaction de... du public de Vichy. Vous avez remarqué d'ailleurs que nos Mowgli sont gantés chaque fois. Ne pensez pas que ce soit des garçons. Les garçons de la jungle ne sont pas snobs ni trop fat pour porter des gants blancs tout le temps. Mais là, c'est pour éviter qu'ils ne se blessent après les câbles. Alors, c'est tout à fait simple. La France a fait le parcours complet. C'est ce que nous avions compris et ce que nous sommes contents de vous entendre répéter. Alors, c'est cette fois la Suisse, c'est-à-dire Brigg. C'est Brigg qui prend le départ. Attention, je voudrais que, il me semble, il faut tendre les... La passerelle un petit peu plus. Attention. Alors, on attend que ces messieurs soient tout à fait bien. Oui. Attention. 3, 2, 1. Et ça repart très, très vite. Tandis que vous le voyez, les adversaires, il y en a un de chaque nation. Enfin, il y a un... Vous voyez qu'on ne fait pas de cadeau. Regardez, il arrive à plat ventre. Oh, que c'est difficile, que c'est dur. Et, attention, oh, non. Il est secoué d'une façon. Mais il va être tout allé, ce pauvre garçon. C'est une carpette. Eh bien, l'ours prend d'ailleurs la même tactique. Il part. Ah, mais c'est peut-être la tactique suisse. Ça doit être une façon. C'est le ramper. Il préfère le ramper. Non, quand même, la station verticale. Alors, la passerelle est secouée. Et secouée. Et on vire ce malheureux balou. Ça, c'est un balou bas. Il est même tellement bas que... Ça y est, il est dans l'eau. On va savoir combien de mètres il a franchi. Les Vichysois, pour le moment, sont les seuls à avoir accompli le parcours correctement. Mais il n'y a pas eu de joker pour ce jeu-là. Alors, il y a évidemment, pendant que les équipiers... Cette fois, ce sont les Écossais, nos amis de Prestwick. Prestwick qui se mettent en place. Voilà. Pour la Suisse, 31 mètres. 31 mètres. C'est donc, pour l'instant... Et puis, pour le Marquard, on veut mettre pour la France 50 mètres, ce qui est le maximum. Ce qui est le maximum et qui représente en effet la distance de cette passerelle. Eh bien, attention maintenant, messieurs les Écossais, pardon, de Prestwick. Attention, 3, 2, 1. Et les Anglais y vont. Écoutez, les Anglais... Les Écossais, les Britanniques. Les Britanniques, mais oui, je dis... Ah, mais vous savez que... Il est en train de faire des nœuds avec sa passerelle. C'est peut-être pour se rappeler qu'il est venu à Vichy. Oh, ça, c'est terrible. Ah, mais il y est arrivé quand même. Regardez ça, cette ténacité. Oh, les Écossais, vous savez, ils ont du caractère, les Écossais. Hein. Ça se voit. Eh bien, il a passé le relais, ça y est. Et toujours sur cette passerelle manœuvrée diaboliquement par les PPM. Ces grues qui, je le répète, sont mises en action par chaque pays. Par chacun des 6 autres pays. Mais dites-moi, l'ours écossais aura-t-il terminé? Mais oui! Oh, il le mérite, vous savez. Oh, il le mérite. Il a beaucoup de cran. Ah non, pas tout à fait. Oh, je crois que ça a dû faire combien? C'est 48 mètres? Ah, ma petite Simone, je ne saurais le dire, mais enfin, de toute façon, voilà un ours à la mer. Il retrouve son élément, là. Il va être content. Parce que les ours... Les ours polaires. Ah, les ours blancs. Mais celui-là, les ours blancs. Non, c'est vrai, c'était pas un ours blanc. C'est un ours écossais qui est une race tout à fait particulière. Voilà, alors pour la Grande-Bretagne, 40 mètres 50. Ah, moi je disais 48 mètres. Hein. Heureusement que vous êtes là, 40 mètres 50 seulement. Bien, ce sont les Italiens maintenant au départ. Les Italiens, c'est Forio d'Ischia. Ah ben, les habitants du Nil, ils vont se trouver très bien sur l'élément liquide. Il faut absolument que l'on puisse tendre les cordes, messieurs, attention. Est-ce que c'est... OK, je crois que non, ça n'est pas tout à fait bien pour Mowgli. Si? Oui. Tout va bien? Oui. Attention, 3, 2, 1. Alors, on suit... Ah, alors, il s'est assis. Ça, c'est un commentaire pour Léon Zitrone, c'est de l'équitation. Ah, il fait tout, vous savez, de la natation, de l'équitation. Regardez ça. Ah, en ce moment, oui, il s'étale, le pauvre malheureux. Il est aplati comme une galette sur sa passerelle. Il rentre plutôt. Il
n'y voit plus le bout de son calvaire. Oh là là, monsieur, vous étiez bien loin de Balou. Alors il voyait plus son calvaire, il voyait plus son équipier non plus, d'ailleurs. Il voyait plus rien du tout. Eh bien, ça, c'est un ours blond, vous voyez. C'est pas un ours blanc, c'est un ours blond. Oh là là, et le... Balou savait danser dans le dessin de Walt Disney, mais pas de cette façon-là. Eh bien, ils ne sont pas allés loin, mais je dois dire qu'ils étaient très drôles, hein, l'équipe italienne. Ils étaient tous très drôles. On rit beaucoup de leur malheur. On est sans pitié. Il n'y a plus qu'une équipe maintenant qui va participer. Mais nous attendons le résultat de l'Italie. Alors, pour l'Italie, 28 mètres. Ah oui, vraiment, pour Forio d'Ischia, c'était pas fameux. Hein. C'est la Belgique qui va terminer, la Hollande étant dispensée de ce jeu de passerelle à cause du fil rouge. Alors, la Belgique, c'est Tournai. Voilà. Alors, nous attendons que l'ours belge, il est en place. Monsieur, vous tenez les cordes convenablement? Oui. Convenablement, monsieur, les cordes? Attention. Alors, attention. 3, 2, 1. Arrivera pas. J'ai l'impression que celui-là arrive encore moins que les autres. Alors là, il est reparti en arrière. Il se retourne. Il est enlacé. Il se tient après les cordes. Oh, il va remonter, c'est magnifique, vous savez, il faut le faire. Hein. Ça, il faut reconnaître, monsieur, dans ces conditions-là, vous n'allez pas, ça ne progresse pas beaucoup. Alors, l'ours maintenant, eh bien, vous l'avez vu, ça y est. L'ours de Tournai. Alors, monsieur, eh bien, ça se passe pas trop mal pour vous. Ah non, là, j'ai parlé trop vite. Oh là, monsieur, oui. Ah, pour tourner, ça va mal tourner, si je comprends bien. Oui. Là aussi, monsieur, vous n'irez pas. Ah, pauvre. Terminé. Un magnifique plongeon. Et maintenant, le résultat. Le sixième et dernier résultat de ce jeu. De ce jeu de Mowgli et Balou. Et voilà, Simone. On a pour la Belgique 25 mètres. 25 mètres. Alors maintenant, nous allons écouter le résultat définitif. Alors, pour la France, 6 points. Vichy, 6. Puis la Grande-Bretagne, 5 points. Prestwick, 5. L'Allemagne, 4 points. Bochum, 4. La Suisse, 3 points. Brieg, 3. Italie, 2 points. Forio d'Ischia, 2. Et la Belgique, un point. Tournai, un seul point. Eh bien, maintenant, nous allons retrouver Guy qui se trouve dans une compagnie pleine de fantaisie et de charme, à faire rêver tous les petits-enfants. Merci, Simone. Walt Disney nous prête maintenant ses nains. Les nains amoureux, avec la participation de Blanche-Neige et de ces 7 nains, en réalité, qui ne sont d'ailleurs que 6, car au pied de cette petite maisonnette, car le 7e est un... Dormeur. C'est d'ailleurs le dormeur italien de Forio d'Ischia qui a préféré piquer un petit somme puisque l'Italie est exempte de ce jeu. Ce jeu, lui, il est très simple. Les nains vont deux par deux avoir à descendre la petite pente qui les sépare du jardin où ils ne pourront recevoir une fleur que si, au cours de la descente, ils ne renversent pas le vase qui doit recevoir la fleur, ce vase étant posé sur un plateau. Un vase contre une fleur, ce qui me paraît tout à fait naturel. C'est au nombre de fleurs que la victoire se décidera. Comme la pente est savonnée, nous allons voir tout de suite en 1 minute 15, durée de la première manche, combien le joyeux français et le Hatchoum suisse vont remonter de Marguerite à Blanche-Neige. Messieurs les nains, vous pouvez quitter votre piédestal là-haut. Attention, les 4 autres nains, par conséquent, quittent la maisonnette de Blanche-Neige. Général Olivieri me signale que 2 pays jouent leur joker sur le jeu des nains pressés, ce qui est un comble d'ailleurs. Alors, s'il vous plaît, ces 2 jokers, ce sont la Grande-Bretagne et... la Suisse. Voilà, la Grande-Bretagne et la Suisse. La Grande-Bretagne. Attention. Non. Ça y est. C'est vu. Première manche. Non. Oh non. Ah non, il est déjà parti. Mais ça fait rien. C'était un nain encore plus pressé que les autres, celui-là. Ça arrive quelquefois. Oui. Écoutez, monsieur le nain, je vois que vous n'êtes pas familiarisé. Pourtant, il y a un air célèbre dans les films de Walt Disney. C'est siffler. Or, siffler, c'est le propre de nos arbitres. Sans le coup de sifflet, on ne peut pas partir. Attention, Gennaro. Attention, 3, 2, 1.
Évidemment, les vases ont un petit peu d'eau. Faut arriver, pour que ça compte, il faut que le vase soit complet. On a un vase qui arrive debout sur le plateau, on prend une fleur. Ce qui a été le cas précisément du nain suisse, c'est-à-dire actuellement de notre sympathique Hatchoum suisse de Brigue. Je crois qu'il a d'ailleurs été oublié à la présentation, Brigue, tout à l'heure, que nous saluons nos amis suisses, que nous saluons deux fois, puisque je sais que beaucoup de nos amis suisses écoutent actuellement ce reportage en direct. Attention, pour l'instant, qu'une marguerite du côté des Suisses. Combien de temps encore, Gennaro, pour cette première manche? Il reste encore 35 secondes. 35 secondes et le Suisse descend. Attention, il est arrivé avec un deuxième vase stable. Le Français n'en a pas encore amené un. Allons, monsieur, allons. Non, non, m'a dit Guido Pancaldi. Toujours pas de vase. Pourtant, il l'avait pressé contre sa petite poitrine. Sous l'œil toujours impassible et moqueur de notre charmante Blanche-Neige. Oh, mais il est formidable, ce nain suisse, cet Hatchoum. Heureusement qu'il n'éternue pas. S'il éternuait. Le joyeux Français n'y arrive pas. Attention, il va être bien triste, joyeux, à la fin. Attention, temps. Terminé. Et voilà. Et terminé en beauté, je dois dire, par Hatchoum. Voilà. Alors, les comptes sont faciles à faire, Gennaro? Oui, les comptes sont faciles à faire. Nous avons, pour la France, zéro fleur. C'est moins bien que tout aucune à l'heure. Fleur. Et pour la Suisse, nous en avons quatre. Alors, France, c'est-à-dire Vichy, zéro, et Brigue, quatre. Attention, la deuxième manche oppose le simplet allemand de Bochum au timide de Tournai. Prêt? Attention, 3, 2, 1. 1 minute 15. Feront-ils mieux? Pour l'instant, le vase de l'Allemagne n'est pas arrivé. En revanche, celui de la Belgique a franchi allègrement et la pente savonnée et la barrière de bottes de paille. On reprend son plateau, on reprend son vase, on reprend son élan, on reprend son souffle, on reprend espoir. Enfin, on reprend tout ce qu'on peut. Et voilà, un vase réussi pour chacun des deux équipiers. Par conséquent, actuellement, deux fleurs, deux marguerites. On les feuillera après, hein, si on a le temps, de Gennaro. Pour l'instant, on s'occupe d'autre chose. Deux marguerites pour Tournai, une marguerite pour le simplet de Bochum. Et on repart. De moins en moins enthousiaste. Ah, bravo, hein, ils ont trouvé la cadence. Ils démarrent lentement. Ils démarrent lentement. Alors que le Français de tout à l'heure, le joyeux de tout à l'heure, était très trépidant, trop trépidant, et à tout moment arrivait dans des positions plus ou moins instables qui faisaient que son vase n'arrivait jamais complet. Alors, simplet. Attention au temps maintenant. Sur votre, à gauche sur votre écran. 5 secondes. Ah, ça s'est inversé maintenant. Oh là là, il y a un renversé. Alors, dans sa précipitation timide, qui ne l'est pas du tout de Tournai, a tout renversé. Alors, les comptes maintenant. Alors. Pour l'Allemagne, nous avons deux fleurs, deux marguerites. Et pour la Belgique, nous avons trois marguerites. Alors, je répète, pour Bochum, Allemagne, deux marguerites. Pour Tournai, Belgique, trois marguerites. Troisième manche qui oppose le nain de Zoetermeer, Hollande, c'est-à-dire prof, au grincheux écossais de Prestwick. Attention. Attention. 3, 2, 1... Démarrage. Démarrage un petit peu dangereux de l'Écossais qui a perdu tout, fort l'honneur. Et de son côté, le prof de Zoetermeer a ramené une marguerite car il avait fait franchir, je tiens à le préciser, c'est un point très important, la ligne d'arrivée à son vase sur le plateau. Mais j'ai l'impression que là, il y a une petite supercherie. Hein. C'est-à-dire que nous n'avons pas compté la fleur anglaise, la fleur britannique, pour mieux la nommer, parce que le concurrent la tenait avec la main. Oui, une fleur britannique, en général, c'est une rose. Là, c'est une marguerite. Retour, on suit. Pour l'instant, ça se passe calmement. C'est toujours la Hollande qui mène avec une marguerite, Zoetermeer. Pour l'instant, la Grande-Bretagne, notre grincheux écossais d'arrivée. Ah oui, là, il a réussi. Il a réussi même à renverser les marguerites à l'arrivée. Et attention. Aïe, aïe, aïe. Il a manqué son arrivée, c'est bien dommage. Attention au temps. Ça n'est
n'est pas facile hein, de descendre comme ça. Ah, terminé. Ça, vous avez... Oui, mais comme c'est terminé, il ne peut rien faire d'autre que de descendre, parce que quand vous êtes sur une pente savonnée, c'est bien connu, c'est un proverbe, on ne peut pas se rattraper. Alors, bon, eh bien, Gennaro, les comptes maintenant. Attention aux comptes. En tête, nous avons la Suisse, qui a joué son joker et qui récolte 12 points. Ça, par contre, c'est très bien joué. Alors, Brigue, 12. En deuxième position, nous avons la Belgique avec 5 points. Tournez, 5. Ensuite, nous avons l'Allemagne avec 4 points. Alors, l'Allemagne, Bochum, 4. La Hollande également avec 4 points. Zoetermeer, 4 points. La Grande-Bretagne a joué son joker. 2 fois 2, ça fait 4 points. Brunswick, 4 points. Et la France reçoit 1 point. Vichy, 1 point. Attention, nous allons maintenant immédiatement au jeu suivant. Alors que vous jetez un coup d'œil, amis téléspectateurs, sur le classement général, où nous allons retrouver pour ce jeu numéro 3 un personnage parmi les plus sympathiques de Walt Disney, Pluto. Mais bien entendu, le fil rouge nous est présenté par Simone Garnier. Trois skieurs, tractés par un même bateau à des distances différentes, 18, 28 et 38 mètres, vont aborder un tremplin à une vitesse d'environ 50 km/h et en franchissant ce tremplin, vont expédier des ballons dans des paniers à des hauteurs différentes. D'ailleurs, vous les voyez très bien, ces paniers, ces cerceaux sur votre écran. Alors, attention, vous allez être donc, si j'ose dire, tout à fait au premier plan, moi aussi. Je pense que j'aurais peut-être dû prendre un casque. C'est la Hollande qui arrive et qui participe pour la première fois à ce fil rouge tout à fait spectaculaire et très, très beau la nuit. Attention, non, manqué. Eh bien, aucun ballon. Alors là, les comptes sont vite faits, Guido. Oui, alors, aucun ballon pour la Hollande. Oui, mais ça va peut-être changer, car dans quelques secondes maintenant, nous allons voir assister au départ des Italiens. Les Italiens, donc, je le répète, ce fameux champion d'Europe de vitesse qui vient en troisième position. C'est le dernier que vous allez voir passer. Est-ce qu'il réussira ? Oui, un ballon, 5 points, 3 ballons, vive Fabrizio Dischia, vive les Italiens. En effet, le panier supérieur contient des ballons qui valent plus de points, Guido. Oui. Alors, Simone, on a pour l'Italie 13 points. 13 points pour l'Italie, c'est-à-dire 2 fois 5 plus 3, 13 points pour les Italiens. Eh bien, maintenant, nous allons retrouver Guy avec un autre personnage de Walt Disney. Eh bien oui, je suis cerné entre deux plutôt pour ce jeu qui va nous permettre de voir des plutôt essayer de rattraper, d'accrocher de nombreux nonos à la condition qu'ils veuillent bien faire de la bicyclette. Alors, ce jeu se déroule en 6 manches successives. La première des manches, Gennaro. Oui, la première des manches, c'est la Hollande. Alors... Eh bien, nous allons expliquer le jeu au fur et à mesure qu'il se déroule. On donne le départ tout de suite des plutôt hollandais. Attention, vous allez voir, c'est périlleux. Attention, 3, 2, 1. Alors, ces plutôt qui sont des plutôt Merckx ou des plutôt Poulidor doivent passer maintenant sur une... Voyez, il est passé sur une perche, mais je crois qu'il a attrapé un os. Non, il l'a manqué. Alors, il s'agit sur cette petite passerelle. On évacue, bien sûr, il doit, avant que le deuxième plutôt hollandais puisse partir, on doit voir, c'est un règlement voilà. Que nous avons établi, la main... Ou tout au moins le crâne, ça y est, la main est apparue sur la passerelle, donc la voie est libre. Le deuxième est passé, il a essayé d'accrocher à Nonos, vous avez vu, qui se trouve juste au-dessus de ces petites passerelles extrêmement étroites. Et il devrait en principe, quand on le réussit, ce qui s'est produit là pour le troisième plutôt hollandais, l'accrocher sur un râtelier. Voilà, donc par conséquent, nous avons déjà un os sur le râtelier de la Hollande, peut-être un deuxième, non. Ce deuxième plutôt hollandais a manqué son os. C'est bien dommage parce que attention, le temps s'écoule inexorablement. Attention, et à une minute, ça va être le départ. C'est le départ en tous les cas de la passerelle du plutôt hollandais qui a disparu dans l'eau. Et il n'y a eu qu'un os pour l'instant. Oui, alors le temps est terminé. Pour la Hollande, nous marquons un os. Alors la deuxième manche nous permet de voir au départ. Au départ, l'équipe française de Vichy. Attention pour une minute. Attention, 3, 2, 1. Parti. Alors, dans cette équipe de Vichy, Christian Deprez, Jean Lefebvre, qui est menuisier,
et qui a touché du bois, m'a-t-on dit, avant ce jeu, parce qu'il pensait que ça lui porterait bonheur, il est passé, il n'a pas attrapé d'os. Alors que Roger Roy, qui est vendeur, je ne sais pas de quoi d'ailleurs, a manqué également son troisième os. Nous voyons à nouveau Christian Depresse, qui était le premier de passer, qui est technicien ménager, qui a réussi à attraper son os. À nouveau le menuisier qui repasse. Il devrait s'y connaître pourtant. Passerelle de bois, nom d'un chien. Il a manqué son os une deuxième fois. Le temps ne travaille pas pour vous, cher. Plutôt, dépêchez-vous. Voilà un deuxième os. Oh là là, oh, c'était tangent. Hein. Il a vraiment pris son virage. C'est bon. Vous aimez les os, Gennaro? C'est bon. Il est tombé sur un os, me dit-il. Ça nous arrivera aussi ce soir. Vous voyez, on a fait des jeux assez compliqués tout à l'heure, d'ailleurs, sur le bassin de Vichy. On nous a signalé qu'il y avait attention. Beaucoup de bateaux. Voilà pourquoi nous avons eu un retard attention pour le deuxième fil rouge. Attention au temps. Voilà, terminé pour les plutôt français qui rentrent dans leur niche. Alors qu'immédiatement, nous allons avoir le départ de la troisième manche, oui, c'est-à-dire les plutôt britanniques. Mais auparavant, j'indique pour la France trois os. Voilà, et bien heureusement que Gennaro, vous êtes là, parce que sinon j'oublierais, moi. Alors attention pour le départ des Britanniques. Attention, 3, 2, 1. C'est parti. Alors, vous connaissez maintenant le jeu, chers amis téléspectateurs. Le passage de cette passerelle si difficile, hein, monsieur, quand on prend un os, il en avait même pris deux, d'ailleurs. Vous voyez, il y en a un qui est tombé à l'autre, qui est maintenant sur le râtelier, très décontracté, ce premier écossais. Le deuxième le suit avec autant de calme, mais lui ne s'est pas du tout occupé des os, il s'est occupé surtout de ne pas tomber dans l'eau. Le troisième le suit. Le troisième arrive, n'a pas pris son os. N'a pas pris son os. Le... Oui ! Ah, mais c'est... Non, c'est toujours le même qui réussit. Pour l'instant, deux sur leur atelier écossais. Vous savez qu'ils sont diaboliques, tous ces cyclistes, car c'est extrêmement difficile. Quand on entend, vous apercevez les images de nos techniciens qui rechargent les os de l'équipe qui va prendre le départ dans quelques instants. Attention, au temps, 5 secondes. Et le quatrième était bon. Le quatrième était bon, dites donc, c'est leur record, Gennaro. Oui, alors c'est le record actuel, ça fait 4 os pour la Grande-Bretagne. Et maintenant, la cinquième à prendre le départ, c'est, je crois, l'équipe suisse. Non, c'est l'équipe allemande. L'équipe allemande. Ah, l'équipe allemande, c'est-à-dire Bocom. 3, 2, 1. Quatrième allemande, les plutôt allemands. Là, on a tâté le terrain, on a tâté les eaux. Là, il a tendu sa main un peu tard. Voici le troisième, regardez ce beau plutôt barbu. Qui a mis son masque de plutôt sur ses jolis cheveux bruns. De manière à ce que nous puissions découvrir son visage sans frontières. Ah, ben voilà le premier, il ne faut jamais se décourager d'ailleurs, vous voyez. Voilà, c'est gagné. Et on entend... dans les tribunes, les supporters allemands qui réagissent. Ah, c'est dommage, le deuxième est passé au ras du sol. Le temps s'écoule, vous savez que chaque minute ne dure qu'une minute. Chaque manche ne dure qu'une minute. Excusez-moi de ce lapsus. 10 secondes, ne durera d'ailleurs plus que 10 secondes, dit Gennaro Olivieri. Est toujours imperturbable avec son chronomètre en main. Attention. Deuxième des nonos, des plutôt de Bochum. C'est terminé pour l'Allemagne avec deux os. Maintenant, cinquième départ, le départ de nos amis suisses, le départ de Brieg. Attention, prêt à partir pour les plutôt helvétiques. Attention, 3, 2, 1. C'est parti. Ça sort de sa niche, voyez, sur un vélo, des plutôt qui sont sur des vélos, vous me direz qu'ils n'ont rien de plutôt puisqu'ils ont retiré leur masque. Tous d'excellents cyclistes. Pas toujours très, très, très brillant pour ramasser les eaux, mais ça n'est pas facile, croyez-moi, parce que la petite passerelle qui surplombe le bassin doit faire à tout casser une trentaine de centimètres de large, et même pas d'ailleurs. 25. Deuxième os suisse. Ça marche bien pour Brieg, qui risque de prendre une très bonne position actuellement dans ce jeu. Oh, c'est dommage! Vous savez qu'il faut à la fois regarder la passerelle, sa roue avant, son guidon et les eaux, c'est quand même pas facile. On manque deux yeux. Toujours deux pour la Suisse, toujours deux pour Brieg. Le troisième, arraché de la main gauche.
Il reste encore quelques secondes peut-être pour un quatrième. Cinq secondes, ça sera juste, monsieur, si vous le décrochez. Vous aurez décroché le pompon. Oui, il l'a décroché, quatre. Voilà, mais c'était bon. Malheureusement. Ah, ça n'était pas... Non, malheureusement, non. Le loss n'était pas au râtelier au moment de la minute. Par conséquent, trois pour Brigue. Trois pour Brigue. Et voici le départ de Forio di Schia, c'est-à-dire nos amis italiens. Attention, pour une minute. Attention, 3, 2, 1. C'est parti. Maintenant, vous êtes familiarisé avec ces images. De temps en temps, il y a une chute. Vous voyez, j'ai été mauvais prophète au moment où je le disais. Eh bien, pour ne pas me faire mentir, ce sympathique plutôt italien est tombé. Il doit nager, faire les quelques mètres qu'il sépare de la passerelle lorsque sa main apparaît. Voilà. Les juges arbitres très prudents ne font sortir alors et seulement à ce moment-là. Le deuxième plutôt. Tous les Italiens vont à la mer. Il n'est pas content du tout, celui-là. Il a l'air de dire, mais qu'est-ce qui se passe? À l'entraînement, ça marchait mieux. Il n'y a plus qu'un plutôt actuellement au sec. C'est celui qui va partir. Comment ça se dire, pourvu que je n'ai jamais 203. Oui, mais là, il est très prudent. Il a levé la main en disant, je passe, mais je ne décroche rien. Il n'y a plus un plutôt à sec. Alors, forcément, le troisième, qui est le seul, est reparti courageusement dans sa niche et va tenter de faire mieux que ses deux amis qui l'ont laissé bien seul. Attention au temps. Il n'y a plus de vélo, ils sont éliminés. Vous savez que lorsqu'un vélo tombait dans l'eau, c'était l'élimination puisqu'on ne les repêchait pas. Alors maintenant, nous allons faire les comptes. Alors nous allons faire les comptes, Guy, que voici. Nous avons en tête la Grande-Bretagne avec 6 points. Alors, en tête, Brunswick, 6 points. Ensuite, la France, 5 points. Vichy, 5 points. La Suisse, 5 points. Brigue, 5 points. L'Allemagne, 3 points. Bocum, 3 points. La Hollande, 2 points. Zoetermeer, 2 points. Et l'Italie, 1 point. La mer à boire et notre jeu numéro 4, ce qui est un bien grand mot, puisque nos concurrents qui vont être juchés sur les balises que vous voyez maintenant, ont intérêt à ne pas ouvrir la bouche. Au cours de la première des trois manches, disputée par l'Allemagne et la France et qui va durer 1 minute 30, c'est ça, Gennaro ? 1 minute 30, exactement. Eh bien, vous allez comprendre le principe de ces balises qui vont être changées en métronome. Il y a trois équipiers, un garçon sur le haut, deux filles pour se mettre sur la base des balises et opérer ce mouvement de balancier. On a couru, je suis essoufflé. Attention, attention, 3, 2, 1... C'est parti. On part d'abord à la nage. On se juche sur ces balises qui sont immobiles, mais qui dans quelques instants ne vont plus l'être. Deux jeunes filles en bas et Donald, qui est le personnage de Walt Disney à l'honneur dans ce jeu. Donald, lui, va monter sur la vigie. Voilà. Alors, vous avez un Donald français sur la vigie de gauche et un Donald hollandais sur la vigie de droite. Et en 1 minute 30, il s'agit allemand et il s'agit de faire le plus de balanciers. Mais je crois, Gennaro et Guido, que les balanciers ne comptent que si, dans ces mouvements de balanciers, on touche l'eau. Oui, exactement. Il faut toucher l'eau d'une façon quelconque. C'est-à-dire de quelconque. Ah, voilà. Ou brutalement, ou délicatement. Voilà. Et maintenant, à partir de maintenant, chers amis, vous pouvez compter vous-même sur vos petits écrans ces mouvements de balanciers où les jeunes filles qui se trouvent sur la base des balises font décrire un demi-cercle complet à leurs équipiers, leur Donald, juché au sommet. La France est à gauche, l'Allemagne est à droite. Encore 15 secondes, me dit Guido. Et nous en sommes à combien de balanciers? Ils vont nous le dire dans 5 secondes. 10 secondes. Oui, parce qu'ils sont actuellement en train de faire du métronome en sens opposé. Attention. Ah, je ne sais pas si elle a touché la petite candidate allemande. Elle n'avait pas le bras assez long. Faut avoir le bras long, vous voyez, dans Jeux sans frontières. Alors vite, vite, vous quittez vos balises. Vous sautez. Allez, vite, vite, vite. Et voilà, très courageuse. Un peu plus, elle sautait sur le ponton. Elle m'a fait très peur, dites-moi. Elle confond l'eau et le bois. Et dans quelques instants, alors que Gennaro et Guido vont me donner les résultats. Voilà. Alors, on a pour l'Allemagne, 6 battements. 6 battements de cœur. Oui, exactement. Et pour la France? Pour la France, 6 battements également. Eh bien voilà, ils ont battu à l'unisson, voilà qui est bien sympathique. Attention, le départ maintenant des deux équipes suivantes, la Hollande, Zoetermeer, et la Suisse, Brigue. Attention,
3, 2, 1. C'est parti. Avec beaucoup d'éclaboussures. Alors vous avez compris maintenant, l'homme, le Donald, il est masculin, grimpe au sommet. Ses petites équipières, qui ont d'ailleurs un rôle très ingrat, car il faut faire preuve de beaucoup de qualité athlétique. Oh là là, c'est parti très vite. Balance, et là nous allons avoir un très beau match, parce que vous voyez, ça va partir. Ça va. Ah oui, parce qu'ils n'étaient pas encore arrivés. Ils ont l'œil à tous nos armes. Rien, rien ne leur échappe. Hein. Voyez, moi j'aurais été facilement refait dans ce voile. Eh bien, pour l'instant, par conséquent, nous en sommes à 3 partout, je crois. 2 partout. Ah oui, je veux absolument compter le départ. 3 pour la Hollande, 3 pour la Suisse. On va essayer de vous faire suivre. Légère avance, 4 Zoutermeur. Aïe, 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 c'est moins rapide. Elle, pourtant, elle fait tout ce qu'il peut. Non, la Brigue n'a pas touché l'eau. 5 la Hollande qui a pris, semble-t-il, une avance décisive dans cette manche. Trouver un mouvement de balancier exactement comme celui qu'il fallait trouver. La Suisse touche bien du côté du large, mais du côté du ponton, vous voyez, ça va moins bien. Oui, il a touché quand même. 7 et 5, sauf erreur. 7 et 5. Mais non, Gennaro, vous ne vous trompez jamais. 8 et 6. 10 secondes. Je suis entouré, je suis pris en sandwich entre les deux arbitres, alors je vais vous dire que je ne peux pas me tromper. C'est pas bon. Attention. Ils se sont retrouvés tous les deux au sommet dans un beau mouvement de synchronisation générale. C'est un beau score réalisé d'ailleurs, je crois, par ces deux équipes, avec bien sûr le maximum par l'équipe hollandaise. Alors vous lâchez, ça y est, le Donald a plongé dans l'eau, c'est son élément naturel. Ces deux équipières sautent à leur tour, voilà. Voici tout d'abord le résultat pour cette deuxième manche. Pour la Suisse, Brigue, 7 battements. 7 battements pour Brigue. Et pour la Hollande, 9 battements. Zoutermeur, 9 battements. Et voici maintenant la troisième et dernière manche. Attention, 3, 2, 1. L'Italie et la Belgique. L'Italie et la Belgique, puisque dans cette manche, c'était l'Italie et la Belgique qui partaient les derniers. Ce qui ne veut pas dire pour ça qu'ils n'arriveront pas les premiers. Ils sont en tous les cas, tout au moins pour l'Italien, bien dans sa petite nacelle, alors que le candidat belge n'y est que seulement, et c'est le plus petit de tous nos candidats, très sympathique d'ailleurs, et il touche le premier. Allez, voyez, presque une... On dirait, en termes hippiques, on dirait qu'il avait un demi-bras d'avance. 2 pour la Belgique. 2 pour l'Italie maintenant. Oh là là, bonjour, joli balancier la Belgique. 3. Vous pouvez compter avec nous, amis du public, vous allez voir. 3 pour la Belgique, 3 pour l'Italie, 4 pour la Belgique, 4 pour l'Italie, 5 pour la Belgique et 5 pour l'Italie. On a envie de les aider, hein. 6 pour la Belgique. Allez, pousse, Gennaro, poussons ensemble. 6 pour l'Italie. De plus en plus d'avance pour la Belgique, hein, qui a pris presque un battement complet d'avance. 7, ils vont faire 8 pour la Belgique alors qu'ils ne vont faire que 7 pour l'Italie. Il y en a un d'avance carrément. Et 10 secondes. Et 10 secondes. 8 pour la Belgique avec le 9e bientôt. 9, 8 pour l'Italie. Attention. Seulement. J'espère que vous suivez en même temps que nous sur ces images ce mouvement de balancier. C'est un jeu très athlétique, très fatigant. Alors voici les résultats. Nous avons pour la Belgique dit. Nous avons 10 battements. Belgique tournait 10 battements. Et pour l'Italie, nous avons 8 battements. Forio Disca, 8 battements. Classement maintenant de ce jeu. Alors voici les points. Nous avons la Belgique en tête avec 6 points. Tournait 6 points. La Hollande, 5 points. Zoutermeur, 5 points. L'Italie, 4 points. Forio Disca, 4 points. La Suisse, 3 points. Brigue, 3 points. L'Allemagne, 2 points. L'Allemagne, 2 points. Et la France, 2 points. Et la France, 2 points. Petit marqueur général, coup d'œil. Et très vite, Simone Garnier, deuxième série du fil rouge. Eh bien, Vichy Vildo, en effet, qui mérite bien son nom, et qui cette fois nous amène à une vitesse d'à peu près 50 km/h. 3 skieurs. Avec des ballons. Attention, regardez-les bien. 1. Non, il est ressorti. 2, il est manqué.
Le troisième. Le troisième était le bon. Eh bien, la Belgique ainsi tournait, se voit octroyer, je pense, 5 points. Je vais demander à Guido. Voilà. On a pour la Belgique 5 points. Alors, 5 points pour la Belgique. Je pense qu'on va afficher ça au fur et à mesure sur le marquoir. Et attention, attention, arrive le deuxième, la deuxième équipe. Monsieur, garez-vous, c'est la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne. Les Écossais, 5 points déjà. Non, attention. Ah ah. Mais ça, c'est très drôle car on a eu un skieur qui est resté sur le tremplin, qui est resté sur le dos de cette baleine à la Walt Disney. Alors, Guido, dans ce cas-là, qu'est-ce que l'on fait? Alors, pour moi, il a lancé, pas arrêté. Pour moi, les points sont bons. Alors, c'est la Grande-Bretagne, 10 points. Ah, alors la Grande-Bretagne a donc marqué 2 ballons à 10 points. Eh bien, voilà, nous en terminons avec ce fil rouge. Et maintenant, nous allons passer, jeter un coup d'œil sur le marquoir. Le fil rouge est affiché, vous le voyez. Et ensuite, eh bien, nous allons retrouver messieurs les chats. Messieurs les chats, qui sont aussi des héros de dessins animés. Souvenez-vous de Pinocchio. Messieurs les chats, toutes griffes d'or. C'est un petit peu le titre de ce jeu. Deux câbles ont été tendus entre la rotonde et la tour métallique. Des câbles à une hauteur de 15 mètres au-dessus de l'eau et sur une distance d'environ 60 mètres. Le long de ces câbles, deux concurrents assis sur des sièges à bascule vont se laisser glisser et s'affronteront à la joute. Alors attention, je veux dire que ce jeu est très difficile, il faut une coordination parfaite, car quelques secondes de décalage entre les départs peuvent être dramatiques. C'est la Hollande du côté de la rotonde. Alors on demande les palettes, attention. Alors c'est la Hollande côté rotonde et Italie côté tour. Attention, 3, 2, 1... Vous voyez, il faut effectivement que les deux concurrents partent au même moment pour avoir des chances de se croiser et eh bien non. Ah si, si, les deux. Alors, cotation des points, messieurs. 3 points l'Hollande et 3 points l'Italie. Oui, parce que quand on tombe tous les deux, de toute façon, quand on a touché l'adversaire et que l'on... Si on touche l'adversaire et que l'on reste assis, on a 5 points. Oui, et si les deux adversaires tombent, ça fait 3 points. Si personne ne se touche, ça fait 0 point. Êtes-vous prêts? Oui, oui. Alors c'est Belgique. 3, 2, 1. C'était Belgique et Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne glissant du côté de la tour. Belgique et Grande-Bretagne, ils se croisent bien au milieu. Et tous les deux. Eh bien, les chats n'aiment pas l'eau ce soir. Pourtant, ils ne peuvent pas couper au bain forcé. Alors naturellement, 3 points à la Belgique et 3 points à la Grande-Bretagne. Troisième assaut qui se prépare. On installe en ce moment le Suisse du côté de la tour métallique. Et le français de l'autre côté. Attention, 3, 2, 1. Que vous voyez des joutes aériennes. Oh, ça semble imparable. Je crois qu'ils vont tous, finalement, ils vont tous faire trempette dans le bassin. La France, 3 points. La Suisse, 3 points aussi. Pour l'instant, beaucoup d'ex-aequo, messieurs. Mais il faut dire qu'il y a 9 assauts en tout. C'est-à-dire 3 assauts par... Attention, l'Italie et la Belgique. Belgique attention. Côté tour. Attention, 3, 2, 1. Et pendant ce temps, vous pensez bien que toutes les sécurités étant prises, eh bien, ça continue. 3 points partout, messieurs. 3 points partout, oui. Eh bien, messieurs les chats, vous allez garder un souvenir de cette soirée. France, Grande-Bretagne, maintenant. Attention, 3, 2, 1. Attention, vont-ils se croiser bien au milieu? Oui, 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 très bien. Et très bien aussi, deux ploufs. C'est d'une synchronisation, hein. Toujours 3 points. Êtes-vous prêts? Attention, 3, 2, 1. Loin avec le bateau. Suisse, attention messieurs, messieurs, avec le bateau, éloignez-vous. La Hollande et la Suisse maintenant. Ah, c'est le Suisse. Je ne sais, non, ah non, 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 il est quand même tombé. Il est quand même tombé, alors on pensait qu'au moins on aurait un chat qui resterait sec, mais même pas. Oui, alors 3 points partout. Prêt? 3, 2, 1.
C'est la France et l'Italie. France et Italie. Eh bien, vous les voyez minuscules. Ah, vous voyez qu'il n'y en a qu'un de tombé. L'Italien est resté. Il gâte, l'Italien est resté sur son siège à bascule. Ah ben voilà qui change un petit peu. Oui, alors on a l'Italie 5 points, la France 0. Voilà, ça nous arrange pas du tout. Alors il nous reste plus que quelques assauts maintenant. Attention. C'est la Belgique et la Suisse. Attention, 3, 2, 1... Départ bien donné, voilà un monsieur qui tient sa lance. Ah. Match nul. 3 points partout, la Belgique et la Suisse. Eh bien, nous n'avons plus, je crois, qu'un seul assaut maintenant. C'est la Grande-Bretagne contre la Hollande. Alors, nous attendons le signal des juges, comme cela a été convenu, pour que toute sécurité soit respectée. Alors, attention, c'est prêt. 3, 2, 1... China ! Grande-Bretagne, Hollande... Alors, messieurs, alors là, la rencontre impossible. Eh oui, un décalage de quelques secondes dans le départ. Et naturellement, il n'y a plus d'assaut, plus de joute. Eh bien, ce n'est pas ce résultat-là qui va modifier beaucoup de choses au classement. Première place, l'Italie avec 6 points. Alors, Forillo 10 qui a 6. La Belgique, 5. Tournai, 5. La Suisse, 5. Brigue, 5. La France, 3 points. Vichy, 3. La Grande-Bretagne, 3 points. Prestwick, 3. Hollande, 3 points aussi. 3 points aussi. Aucun joker n'a été joué pour ce jeu-là. Non. Aucun joker n'a été joué pour ce jeu-là. Alors, un petit coup d'œil au marquoir. Eh bien, vous voyez que c'est Brigue, toujours, qui tient la tête avec 28, suivi par la Grande-Bretagne, 18, et, mon Dieu, ex aequo, la Belgique et la France. Alors, vous voyez que tout espoir n'est pas perdu. À vous, Guy, pour le jeu suivant. Le personnage suivant, mis en scène grâce à notre grand ami et regretté Walt Disney, c'est Peter Pan. Un Peter Pan boxeur qui va être juché sur un cheval, monté sur rouleau. Les rouleaux vont rouler sur des rails et il va avoir à boxer des cubes. Le premier Peter Pan boxeur est notre ami français de Vichy qui a pour nom... Pailleras. Allez, alors mon cher Peter Pan, attention. Alors, attention. Attention, je voudrais qu'on montre les jokers qui sont joués sur ce jeu, car il y a beaucoup d'espoir de former sur les boxeurs des différentes villes, et c'est ainsi que la Belgique et la France mettent beaucoup d'espoir dans ce jeu et jouent tous les deux leurs jokers. C'est un moment très important du match, car c'est, on peut dire, le tournant pour deux nations. Attention, le Peter Pan français est en selle. Il va être lâché sur le parcours de 50 mètres. Il y a combien de cubes, Gennaro? Il y en a 28. Attention, 3, 2, 1. Attention, c'est parti. Et vous voyez, Fox, mais je n'ai pas dit qu'il y avait des sympathiques concurrentes étrangères qui ont le droit de lui lâcher des sacs en papier remplis de farine au passage. Ce qui n'a, semble-t-il, pas du tout gêné le Peter Pan français, qui semble avoir fait un bon score. Je tiens à préciser que toutes ces majorettes que vous voyez s'agiter sont les majorettes de Vichy, qui ont le rôle ce soir ingrat de ramasser les cubes lorsqu'on les a comptés. Alors les majorettes, remettre les cubes, s'il vous plaît. Les cubes sont d'ailleurs remis en place quand Guido nous donne le résultat. Pour la France, 23 cubes. Pour la France, 23 cubes. Le deuxième Peter Pan est le Peter Pan hollandais. Et il va tâcher de faire mieux que 23 cubes. Attention, il se met en selle. Tous les cubes sont en place. Non, pas encore. Il en manque encore un ou deux. Évidemment, il y en a de très haut, perchés. Vite, dépêchez-vous, s'il vous plaît. Un chargement de 28 cubes, ça n'est pas facile. D'autant plus qu'il faut remettre des sacs. Regardez le visage de ce Peter Pan, fort sympathique, fort jeune, comme d'ailleurs tous les concurrents de ce soir. Attention, est-ce que nous sommes prêts? Est-ce non. que nous sommes prêts? Il manque un cube encore. Il manque un cube. Non, tout est bon. Ah non, 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 il en manque un. Oui, c'est bon. Attention. Attention. 3, 2, 1. 23 cubes à battre pour le Peter Pan français.
hollandais, pardon. Terre-port français vient de faire 23 cubes. Et le représentant de Sautermeur va tâcher de faire mieux, vous avez vu. Il a pris quelques sacs de farine, il n'est pas content du tout. Il tape sur son cheval, ne brutalisez pas les animaux, monsieur de Sautermeur. Vous avez 23 cubes à battre, est-ce que vous allez faire mieux? Notre ami Guido va venir nous le dire. Alors qu'on remet les cubes en place. Remettez les cubes en place. Et alors, le nombre pour la Hollande, 16 cubes. Peter Pan italien qui était en train de rêver, là-bas, on ne sait pas pourquoi. Allons, il doit penser à ses conquêtes, à ses amours. Il est en selle, les os, les cubes sont placés, les sacs de farine sont tendus. Attention, on va être prêt à les lâcher. Voilà, tout est prêt. 5, 4, 3. Attention, 3, 2, 1. C'est parti, le Peter Pan italien qui a des allures de viking. Bien qu'il ait les cheveux très bruns, est en train de faire un véritable massacre. Bon, il l'a vraiment pris. Il l'a vraiment pris dans son très joli visage transalpin. Ce dernier sac de farine, ça va certainement lui enlever son teint basané pour lui donner un teint plus pâle. Eh bien, Gennaro, nous allons savoir si ce boxing italien a été plus brillant que celui du français ou du hollandais. Vous pouvez remettre les cubes en place. Alors, pour l'Italie, nous avons 22 cubes. 22 cubes. Alors, pour l'instant, la position de ce jeu, c'est 23 pour la France, 22 pour l'Italie et 16 pour la Hollande. Et voici maintenant le Peter Pan belge. Attention, vite en place, monsieur. Tout est prêt. Guido, c'est bon. Attention, 3, 2, 1. C'est parti. Attends, vous avez vu ce qui se passait? Les sacs de farine... Rejette, oui, alors non seulement il fait tomber les cubes, mais il fait tomber les socles qui tiennent les cubes. Je veux dire, vous avez vu, il a un jeu de slalom, ça doit être un skieur. Il a boxé en slalomant. Il a même envoyé des socles sur la tête de nos ravissantes et charmantes majorettes qui se disent, nous ne sommes pas à la fête ce soir. Alors maintenant, les comptes. C'est rapidement fait par les juges de ligne. Puis après, c'est transmis, je vous donne la manœuvre à Guido, qui la transmet à Gennaro et qui nous la donne. Là, il y a un sacré suspense, Guy, parce que la Belgique vient d'en descendre 24. 24! Par conséquent, elle prend la tête dans ce jeu, ayant battu d'une courte tête le Peter Pan français. Il y en avait 23, oui. Alors attention, toujours la même manœuvre, une manœuvre assez compliquée, mais qui se fait d'ailleurs avec beaucoup de... On est prêt, Guido? Oui, attention, 3... 2, 1. Et c'est maintenant le Peter Pan de la Hollande qui essaye maintenant de faire son massacre habituel. Grande-Bretagne, pardon. Peter Pan de Sautermeur, qui est en train d'ailleurs de manifester sa joie. Il a certainement... De Brunswick, pardon. Je vais absolument confondre d'un seul coup la Hollande et la Grande-Bretagne dans ce jeu. Je vous prie de m'en excuser, mais enfin, ça va s'arranger. De toute façon, nous sommes tous là pour rectifier. Alors, le Peter Pan écossais a-t-il à manifester sa joie inutilement ou au contraire? Non, c'est extraordinaire. Il en a marqué 25. 25! Par conséquent, nous allons de surprise en surprise. Est-ce que quelqu'un va faire le grand chelem, c'est-à-dire faire les 28? Oui, on peut... Accueillons maintenant le Peter Pan allemand. Attention, c'est d'ailleurs le Peter Pan, je tiens à vous le dire, qui a le plus de poids. Il est solide, il va faire craquer notre cheval d'ailleurs. Regardez-moi ça, alors là, celui-là, vous avez intérêt à vous barrer les majorettes. Attention, 3, 2, 1. Oui, aïe, est-ce qu'il a l'air sérieux? Il est parti en évitant le premier sac de farine. Il n'a pas évité le second. Mais par contre, il a manqué de nombreux cubes et j'en ai pas l'impression qu'il va menacer la performance de l'Écossais. D'ailleurs, il n'est pas content, vous voyez. Les réactions des joueurs sont toujours très symptomatiques et très, très, très précises. Il n'a pas manifesté sa joie. Par conséquent, oui. C'est qu'il n'a pas battu les 25. Et nous attendons un résultat rapide de Guido. 18. Alors, 18 pour l'Allemagne. Nous faisons très vite les comptes. Nous faisons très vite les comptes. C'est la Grande-Bretagne qui a remporté. Brunswick. 6 points pour la Grande-Bretagne. Je répète, Brunswick, 6 points. Pour la Belgique, avec le joker, 10 points.
pour la Belgique, je tournais 10 points. Pour la France, avec le joker, 8 points. Pour la France, Vichy, 8 points. Ensuite, pour l'Italie, 3 points. Forio, Dischia, 3 points. Pour l'Allemagne, 2 points. Pour Bokum, 2 points. Et pour la Hollande, 1 point. Soutormer, 1 point. Eh bien, le classement général avant ce jeu mettait la Suisse en tête. Ensuite, c'était la Grande-Bretagne. Après, c'était la France. Tout est inversé. Et nous ferons les comptes pendant le fil rouge qui va vous être présenté par Simone. Attention à vous, Simone. Eh bien, oui, très vite, j'entends le bruit du moteur. C'est parti pour l'équipe allemande. C'est donc Bokum Hövel maintenant qui participe à ce fil rouge. Ils arrivent, les voilà. Ils arrivent très vite sur ce tremplin. Un ballon, non, monsieur. Non, monsieur. Oui. Eh bien, un seul ballon qui a été placé par le dernier des concurrents. Et c'était un ballon dans le panier supérieur, c'est-à-dire qui vaut 5 points. Brig, suivi des yeux par tous les spectateurs ici qui se trouvent à la Rotonde, qui est un lieu d'ailleurs bien sympathique et bien agréable. Et maintenant, par vous-même qui les voyez grandir, grossir sur votre écran. 18 mètres le premier, à 10 mètres plus loin l'autre. Ah non, monsieur. Oui, 3 points, 5 points, 3 et 5. Voilà, Simone. Alors, pour la Suisse, on a 8 points. 8 points pour Brig. Eh bien, Guy, maintenant, va nous commenter un jeu qui est une charmante bleuette. Oui, dernier personnage, enfin avant-dernier, Mickey et Minnie sur trois passerelles. Les Mickey apportent des fleurs, les Minnie les rattrapent. La fleur doit toujours être portée par celui qui la tient sur les petits tremplins. Attention au départ de cette première manche dans ce jeu où deux pays jouent leur joker. La Hollande à ma gauche et l'Allemagne à ma droite, donc également jeu très important. Nous avons dans la première manche la Suisse, l'Allemagne et la Hollande. Attention pour la première manche qui dure 2 minutes. Oui, j'aimerais bien répéter pour le marquoir, c'est très important. Joker pour la Hollande et pour l'Allemagne. Joker pour la Hollande, joker pour l'Allemagne. Au départ de la première manche, Suisse, Allemagne et Hollande. Attention, 3, 2, 1... Alors, les Mickey ont leurs fleurs. Les Minnie viennent à leur rencontre, ce qui me paraît parfaitement normal lorsque l'on est des amoureux. Il s'agit de se passer la marguerite. Ah, mais vous voyez, je ne vous l'avais pas dit, il y a toujours des pièges dans les Jeux sans frontières. Et deux des concurrents, alors que les Allemands ne sont pas encore tombés, eux, deux des concurrents sont tombés avant de passer la marguerite. Il y en a même un qui perd son pantalon, je tiens à vous le préciser. Pour la petite histoire, c'est le concurrent suisse. Eh bien, les deux sont tombés et en même temps les marguerites. Alors que du côté de l'Allemagne, c'est un travail de précision. On préfère la prudence. Et comme la marguerite doit toujours être ramenée sans que la personne qui la tient tombe à l'eau, eh bien, elle a réussi son coup. C'est quand même remarquable. Bravo, mademoiselle. Il fallait le faire. C'est un des jeux les plus difficiles, tout au moins au point de vue équilibre. Et voici une belle réussite de la candidate hollandaise. Donc, actuellement, la situation, une marguerite hollandaise, une marguerite allemande. Bon, alors, je vous rappelle, c'est très simple. Il faut venir délicatement passer la marguerite à la mini, laquelle doit, c'est encore peut-être plus difficile pour vous, mesdemoiselles, que pour vous, messieurs, retourner de quelques pas en arrière, faire son petit demi-tour, ce qui est le plus difficile, et ramener la marguerite sans être tombée dans l'eau. Deuxième belle réussite de la candidate allemande et deuxième belle réussite de la candidate néerlandaise, alors que je tiens à vous préciser que pour l'instant, les Suisses, eh bien, eux, n'ont rien ramené du tout. Pourtant, ils s'y entendent, c'est dans leur montagne, à marcher sur le sommet des montagnes, sur les arêtes verglacées. Eh bien non, là, rien du tout. Le bassin de Vichy ne les inspire pas du tout. Et systématiquement, le candidat suisse sur lequel nous portons notre regard en ce moment, non, ça y est, le regard est déjà parti, tombé. Alors là, c'est le bouquet. Au moment où je regardais le candidat suisse, je tiens à vous rappeler que les Allemands continuent leur brillante performance et les Hollandais 10 également. Secondes. 10 secondes. Est-ce que les Suisses, alors que la pauvre petite candidate suisse a disparu dans l'eau, vont réussir au moins à en prendre une? Ça me paraît maintenant définitivement perdu. Attends,
Oui, c'est dommage. C'est dommage, elles n'ont pas ramené leur marguerite, ni la candidate allemande, ni la candidate néerlandaise, qui étaient pourtant fort bien synchronisées dans leur petit vase, dans leur grand vase plutôt. Et c'est facile à voir, puisque je suis aux côtés de ces vases. Nous allons voir tout de suite les résultats de Gennaro. Alors, pour la Suisse, zéro. Suisse, c'est-à-dire Brigue, zéro. Pour l'Allemagne, trois fleurs. Bocom, trois fleurs. Pour la Hollande, trois fleurs. Zoetermeer, trois fleurs. Deuxième manche, ceux qui, bien sûr, restent à jouer, puisque dans ce jeu, la France est exempte, la Belgique, l'Italie et la Grande-Bretagne. Attention, pour la deuxième manche, nous sommes prêts. Attention, 3, 2, 1. Alors, vous voyez, il y a différentes tactiques. Les Allemands, tout à l'heure, avaient la tactique de la sagesse, de la tranquillité, du calme. Les Suisses étaient trépidants, ça ne leur a pas réussi. Là, nous allons voir ce que vont donner les Italiens, les Belges et les Écossais. Ah, c'est dommage. Vous voyez, des deux côtés, il y a une catastrophe. Non, la catastrophe du côté de l'Écosse n'a pas eu lieu. Elle a récupéré sa marguerite. Ah non, elle est tombée à la dernière seconde, la pauvre petite. Elle est tombée, elle ne s'est pas fait de mal, fort heureusement, mais elle a perdu le bénéfice de cette marguerite qu'elle avait ramenée, on peut dire, à un mètre de l'arrivée. Les Italiens sont repartis avec leur furia légendaire. Malheureusement, elle est tellement furieuse, la petite Italienne, qu'elle tombe régulièrement dans l'eau avec sa marguerite qui la déséquilibre. Évidemment, nous ne sommes pas en possession des mêmes balanciers que les funambules. La marguerite, elle, est un petit peu décalée. Pour l'instant, est-ce que la Grande-Bretagne... Non, non, tout le monde est à l'eau pour l'instant. C'est un véritable Waterloo, un Waterloo italien, belge et écossais. Un Waterloo britannique, c'est assez rare, ça, il faut bien le dire. Alors attention, les Belges vont-ils, maintenant qu'ils ont pris la mesure de la prudence qu'il fallait employer, réussir à passer une marguerite? C'est l'Italie qui me semble la mieux placée en ce moment pour réussir la première de ces trois équipes à planter une marguerite. Oui, c'est l'Italie qui a réussi à en mettre une. Pour l'instant, la Belgique a toute chance d'en faire autant. Oui, aïe, aïe. Oh, si vous la voyez, oui, vous la voyez, oui, vous la suivez, cette candidate belge, dans ses efforts démesurés pour garder l'équilibre, ce qui est extrêmement difficile. Bravo, mademoiselle, c'est réussi aussi. Bravo, Mini, la Mini belge a réussi. Du côté de l'Écosse, c'est la débandade. Pas... Attention, temps dit, il va rester 15 secondes. Il restera 15 secondes, il ne restera plus d'ailleurs aux Écossais qu'à pleurer sur leur défaite, alors qu'ils étaient les mieux partis dans cette manche, car je ne vois pas comment, maintenant 10 secondes, cette ravissante mini écossaise pourrait revenir jusqu'au point de départ. Tentez, madame, mademoiselle, courez, courez, courez. Non, c'est trop tard. C'est trop tard, nous faisons les comptes de ce jeu très rapidement. Très rapidement. Je ne sais pas, avec, sur cette caméra là-bas, venez, mes chers sympathiques arbitres, au bord de l'eau, là. Alors voilà, Guy. Ne tombons pas dedans. Non. Nous avons... Il faut seulement se jeter à l'eau, de temps en temps, pour donner des résultats. Voici les résultats. En tête, deux équipes avec le joker. L'Allemagne, 12 points. C'est plutôt bien joué, ça. Bocum, 12 points. Et la Hollande, également... 12 points. Zoetermeer, 12 points. Voilà qui va changer considérablement le classement général. Ensuite, l'Italie, 4 points. L'Italie, Forio, Dischia, 4 points. La Belgique, 3 points. Tournai, 3 points. Et les deux équipes qui n'ont pas de fleurs ne reçoivent qu'un point, c'est-à-dire la Suisse, 1 point. Brigue, 1 point. Et la Grande-Bretagne, 1 point. Derwig, 1 point. Eh bien, voilà. À vous, Simone, très rapidement pour le dernier fil rouge. En effet, pour le dernier fil rouge, il s'agit de l'équipe de Vichy. Handicap, je vous l'ai déjà dit. Quel handicap? Eh bien, on va modifier la position des paniers en sorte que l'angle d'ouverture de ces paniers rende plus difficile la réception des ballons. Et on fait cette modification sous vos yeux. Vous voyez grimper sur une échelle Roger Lago, qui, avec Claude Savary, collabore si efficacement à ces jeux. Vous savez, nos jeux ne durent que quelques minutes, mais croyez-moi, ils demandent des semaines et des semaines de travail. Alors, pour que tout soit OK, pour que vous puissiez bien constater la différence de ces paniers, on vient donc de les, voyez, de les mettre beaucoup plus à l'horizontale, ce qui évidemment va rendre la chose plus difficile pour les trois concurrents de Vichy. Il s'agit de trois jeunes du Yacht Club vichysois, naturellement. C'est Michel Denis, c'est, je crois, Jean-Michel Morel, c'est ça, et Badrin Dachi. Alors attention, messieurs, je le disais tout à l'heure, vous avez une réputation à soutenir. Il faut dire que nous avons là trois garçons du Yacht Club et qui sont amateurs de plongée, de ski aussi, mais il faut le dire, ce ne sont pas des champions.
Alors, attention. Ils ont perdu quelqu'un. Oui, apparemment, il n'y a pas les trois skieurs derrière eux. Si ? Non, non. Mais non, je n'en vois qu'un, moi. Il y en a qu'un, Simos. Il y en a qu'un, mais oui. Ils ont raté en deux le départ. Ah, ils ont raté le départ. Oui. Voilà, alors on me fait signe. Alors, c'est un départ pour rien. Alors, je ne sais pas, Guy, est-ce qu'on reste au fil rouge, là, pour le moment ? Je pense qu'on va pouvoir y aller très vite. Est-ce qu'on peut rester au fil rouge ou si nous passons au jeu suivant ? Oui, eh bien non, je crois, Simone, étant donné que nous sommes très pressés, oui. Je crois que nous allons maintenant présenter le huitième jeu. Le fil aussi. Rouge sera présenté à la toute dernière seconde. Nous prenons cette initiative, d'accord. Car s'il y a eu un faux départ, évidemment, à moins que les juges arbitres ne prennent une décision d'éliminer la France sur le fil rouge, ce qui me surprendrait. Gennaro, Guido, qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que nous n'allons pas prolonger plus longtemps, mais nous allons donner la chance à l'équipe française après ce jeu. D'accord, c'est ce qui me paraît la bonne solution. Et nous ferons le classement du fil rouge après celui de... Très bien. Alors, voici donc ce dernier jeu avec les sorcières, Blanche-Neige, les pommes empoisonnées et les princes charmants. Deux parties distinctes dans ce jeu. D'abord, la course des sorcières, que vous découvrez maintenant. Regardez comme ces jeunes filles qui sont toutes charmantes ont l'air farouches, ont l'air dangereuses, et qui vont essayer au cours de cette compétition sur cet engin qui fait fureur maintenant sur toutes les plages de Yuti Yuti, de gagner cette course qui se fait sur un aller-retour. Et de ce classement dépendront la grosseur des pommes. En effet, celle qui arrive la première est la plus petite pomme, la dernière la plus grosse. Et comme dans la deuxième partie, les princes charmants qui sont armés de flèches empoisonnées auront à percer les pommes, inutile de vous dire qu'il est important d'avoir la plus petite plutôt que la plus grosse. C'est d'accord, Gennaro ? D'accord. Alors je crois que sur ce jeu, alors, il y a un dernier joker de jouer. Voilà. Italien. Le joker italien, donc par conséquent la sorcière et l'archer italien ont la confiance de leur équipe. Attention pour cette course sur Yuti Yuti de sorcières bondissantes. Vous êtes prêts ? Attention ! Aller-retour. 3, 2, 1. Et bien voilà, elles sautent, elles ne doivent pas tomber. Elles doivent toucher les balais qui marquent le virage, c'est-à-dire la moitié du parcours. Pour l'instant, c'est la candidate belge, néerlandaise et italienne qui est en tête. Les dernières, c'est la Suisse et l'Écossaise au coude à coude. Et la toute dernière serait la Suisse et la néerlandaise qui a manqué son deuxième parcours. Alors, nous avons maintenant l'ordre d'arrivée qui sera à l'ordre inverse de départ. Mais pour l'instant... L'ordre inverse de départ, c'est-à-dire que c'est la plus grosse pomme qui va partir d'abord. Oui, mais je donne d'abord l'ordre d'arrivée pour cette première partie. C'était dans l'ordre l'Allemagne, la Belgique, l'Italie, la France, la Grande-Bretagne, la Hollande et la Suisse. Très bien. Par conséquent, c'est la Suisse qui va avoir la plus grosse, qui va avoir la plus grosse pomme, qui par conséquent risque d'offrir la cible la plus facile aux sept archers, puisque toutes les équipes participent à cette dernière épreuve, aux sept princes charmants qui vont faire feu à volonté. Bien entendu, je dis ça pour les âmes sensibles. Les sorcières sont à l'abri de ces flèches grâce à un rideau de plexiglas sur une longueur d'environ 30 mètres. Alors attention pour la Suisse. 3, 2, 1. Et comme ce parcours est en... Non, ça n'a pas été long. Vous avez vu, cette grosse pomme a été immédiatement percée par un tir d'une précision absolue. On met immédiatement le repère de la Suisse à l'endroit où la pomme a été percée. Voici le départ maintenant d'une pomme un peu plus petite, puisque c'était l'avant-dernière, la pomme hollandaise. Attention, 3, 2, 1. Vous avez compris le principe. Il y a bien sûr des obstacles dans ce couloir, notamment des sandaux pendus dans tous les sens. C'est vous dire que les pauvres sorcières n'ont pas la partie facile. On inscrit maintenant la performance réalisée par la Hollande. Et vous avez compris que selon ces petits signes qui sont mis sur ces plexiglas, sur ce couloir maudit, on aura le classement exact de ce jeu. Et maintenant, au tour de la Grande-Bretagne. Attention, 3, 2, 1... La pomme écossaise qui est partie à toute allure et qui a été vite arrêtée, non seulement par un sandeau, mais par un tir d'une précision machiavélique. Ces princes charmants, hein, veulent absolument que Blanche-Neige ne reçoive pas la pomme empoisonnée de ces, on pourrait peut-être dire, de ces charmantes sorcières, parce qu'elles sont plutôt charmantes que vilaines. Attention maintenant, le départ de la concurrente française. 3, 2, 1. La pomme a diminué. La française voilà. A été à peu près... Elle continue, elle n'a même pas vu que sa pomme était crevée. La France a presque rattrapé la Hollande, mais qui pourtant continue à occuper la première place. Voici les pommes de plus en plus difficiles à percer. Au tour de l'Italie maintenant, attention, 3, 2, 1. L'Italie qui malgré une pomme de petite dimension a finalement fait moins de chemin que les autres et maintenant c'est la pomme. Maintenant c'est le tour de la Belgique. On
on appelle la pomme, mais vous savez, c'est la tout pommeille. À fait gentiment ce que l'on dit. Ah, on n'appelle oui. pas les pommes nos sorcières. Attention, attention. 3, 2, 1. Elle est partie, la pomme belge. Va-t-elle arriver? C'est que c'est beaucoup plus petit. Vous savez, quand le premier tir a été manqué par les archers, en général, ça va plus loin. Hop, voilà. Allez, non, non. Ah, ils sont à oui. Ah, oui, oui, oui. Peu importe, il n'y a pas de question, le ballon a éclaté et c'est là que nous tenons compte de la distance de la Belgique. Oui, parce que même si c'est une flèche qui ne l'a pas percée, c'est parce qu'elle l'a mal tirée. Évidemment. Alors attention, nous arrivons maintenant à la pomme... allemande. À la pomme allemande. Attention, 3, 2, 1. C'est un marché commun de la pomme, vous voyez, en ce moment, des dents. La pomme est en hausse, non, elle est en baisse, la pomme. Voilà, maintenant, ils sont tous en train de s'embrasser. Voilà. Et c'est un capitaine belge qui embrasse son prince charmant belge qui a réussi la flèche empoisonnée qui a tué, là. Alors, voici le classement. Qui a tué la dernière pomme. Le classement, nous le voyons très bien. En tête, nous avons la Belgique qui a 7 points. 7 points pour Tournai. Ensuite, la Hollande avec 6 points. La Hollande, c'est-à-dire Zoetermeer, 6 points. Ensuite, la France avec 5 points. Vichy, 5 points. Ensuite, l'Allemagne avec 4 points. Bochum, 4 points. Ensuite, la Grande-Bretagne avec 3 points. Brunswick, 3 points. La Suisse, 2 points. Brieg, 2 points. Et l'Italie qui a joué son joker et qui a eu de la malchance, 2 points. Forio Disca, vraiment a mal joué son joker, 2 points. Vite, Simone, le dernier fil rouge. Attention, Vichy. Michel Dunis, Jean-Michel Morel, Badedrine Datchi dans l'ordre. Messieurs, je sais bien que les paniers ne vont pas vous faciliter la tâche. Attention. Et là, c'était prêt, mais c'était pas ça non plus. Oh, désappointement, hurlement, déception. Oui. Eh bien, de toute façon, là, les comptes sont vite faits pour les Français. Les comptes sont vite faits pour tout le monde. Nous allons, Simone, vous donner le classement final de ce film. Oui, pardon. Alors, attendez, je vais vous demander de vous reculer un petit peu. Et je vous écoute. Tout d'abord, pour la France, donc, 0 points. Et voici le classement. En tête, l'Italie, 7 points. En deuxième position, la Grande-Bretagne, 6 points. Ensuite, la Suisse, 5 points. Ensuite, la Belgique, 4 points. L'Allemagne, 4 points. Et pour les deux pays qui n'ont pas réussi de ballon, 1 point pour la Hollande et 1 point pour la France. Je crois qu'on va répéter cet important pour le classement final. Eh bien, je crois que sur le marquoir, Gennaro, on a très, très bien suivi vos instructions. Oui, alors c'est au marquoir, ici, donc on peut maintenant attendre le classement final. Et oui. Quatrième Jeux sans frontières à Vichy. Et en deuxième position, nous trouvons l'équipe de Brieg. En troisième position, nous trouvons l'équipe allemande. Et l'équipe de Vichy, qui a fait un score inférieur à celle du Mans, ne sera donc pas qualifiée pour la finale qui se déroulera à Essen le 14 septembre prochain. Eh bien, nous allons remettre le trophée à l'équipe belge. Et c'est sur cette image de la Belgique en joie que nous nous disons, ici depuis Vichy, amis de Jeux sans frontières, merci de votre attention. Merci à nos amis suisses, merci à nos amis belges qui nous ont fait aussi l'amitié de nous écouter. Et merci à tous ces pays qui se sont encore distraits ce soir. Sans frontières, bonsoir à tous. Thank you.